Thank you.
Bienvenue. Est-ce que vous allez bien? Oui, vous êtes là ce matin, en forme? On est heureux d'être ensemble, malgré le froid, le gel, mais on est là pour se réchauffer parce que vous avez le cœur bouillant pour adorer Jésus. Amen. Très heureux de vous accueillir ce matin, très heureux également d'accueillir tous ceux qui nous suivent sur nos réseaux sociaux, sur Internet, sur Facebook ou sur la chaîne YouTube Sentinelle de prière. Bienvenue à chacune et à chacun. Nous voulons croire ce matin que le Seigneur a encore des choses merveilleuses pour nous. On est trois à le croire. Je disais donc qu'on est convaincu ce matin que le Seigneur a des choses merveilleuses pour nous. On est 8 ou 9, on est un peu plus quand même. Alléluia. Mais c'est une certitude. Amen. Oui, Dieu a déjà ce matin renouvelé ses bontés et ses grâces pour chacune de nos vies. Et ça, c'est vraiment exceptionnel de pouvoir avancer, suivre ce Seigneur merveilleux. Je vais demander à l'accueil de bien vouloir fermer les portes, s'il vous plaît, parce que ça fait beaucoup de bruit. Voilà, merci. Soyez les bienvenus. Merci de vous être inscrits pour ce culte et de pouvoir ensemble participer à ces moments. Nous voulons louer, adorer le Seigneur et le laisser encore ce matin se manifester dans nos vies. Vous connaissez le thème, depuis quelques dimanches, on aborde essentiellement la vie de l'Esprit. Ce matin, on va aborder les dons de puissance. Est-ce que c'est pour ça qu'on a eu autant de problèmes techniques il y a quelques heures en arrière? Je ne sais pas, mais en tout cas, on se rend compte que ce n'est pas toujours simple. Vous vous rendez compte peut-être de rien, mais derrière, il y a vraiment toute une équipe qui travaille et les problèmes sont multiples. Il y a toutes sortes de situations compliquées, des choses qui ont marché jusqu'à cette nuit. Et comme par hasard, ce matin à 8h, ça ne marche plus. Vous ne savez plus pourquoi, mais c'est comme ça. Il paraît que c'est la technologie. Alors que Dieu soit béni pour la technologie, mais s'il pouvait mettre un peu d'huile d'onction dans la technologie, ça va nous aider aussi un peu ce matin. Amen. On compte sur sa grâce, on compte sur lui. Et même si certaines choses ne fonctionnent pas, on a notre désir vraiment d'être encore ensemble et de pouvoir célébrer le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Pour vous qui êtes en présentiel, si vous êtes dans votre salon, je sais que certains regardent la vidéo aussi très souvent après dans la semaine. Merci à vous également qui nous donnez des messages d'encouragement, qui nous bénissez à travers de vos mails ou de vos messages et qui vous nous indiquez que vous avez été bénis soit par les temps de louange, soit par des temps d'intercession, des temps de prière ou également soit aussi par les messages bien sûr que vous entendez. Eh bien, un grand merci et je vous rappelle que vous pouvez le faire aussi, hein, apporter quelques commentaires et puis tout simplement encourager tous ceux et celles qui sont là. Est-ce qu'on prie ensemble et on laisse la place à la louange, à l'adoration, afin que nos cœurs, même s'ils sont brûlants d'envie de célébrer, puissent être préparés dans la musique, dans la louange. La Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Alléluia. Vous le croyez ça? Vous en êtes convaincus? Amen. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Mon seul désir ce matin, c'est que le peuple que nous sommes puisse faire maintenant abstraction de tout ce qui peut nous accaparer dans notre vie. Peut-être vous êtes venu avec certaines difficultés, certains problèmes personnels ou autres. Pourrions-nous juste faire abstraction quelques instants de tout cela et dire, Seigneur, maintenant, par ton esprit, au milieu de nous, fais ton œuvre. Agis. Et si toutefois dans ta volonté, ta grâce, tu avais prévu d'agir aussi dans mes difficultés et mes problèmes, fais-le. Parce que je te laisse la place ce matin. Alléluia. Alors, il y a une chose très simple. Vous savez que la Bible dit, elle dit que Dieu donne à qui? À celui ou celle qui demande. Vous savez ce qu'on va faire maintenant? Je vais vous inviter à demander. Alléluia. Demandez. Commencez à prier, dites au Seigneur ce que vous avez besoin de recevoir là maintenant. Et vous allez voir que dans cette matinée, Dieu va combler vos cœurs et vos vies. Et j'aimerais vraiment avoir des témoignages dans cette semaine de ce que Dieu va faire encore aujourd'hui, mardi soir et le reste de la semaine. Commencez à demander. Dites au Seigneur là où vous avez besoin de le voir agir, se manifester. Et avec foi, approchons-nous de lui ce matin. Et disons-lui, Seigneur, dans ces moments, fais vraiment ce que tu as prévu. Accomplis ta volonté. Notre désir, ce n'est pas simplement de sortir en disant « on a eu un bon culte » ou « on a eu un culte moyen ».
Mais notre désir, c'est de te réclamer que tu puisses accomplir au milieu de nous ce matin ta volonté, tes projets, tes plans, ce que toi tu as prévu pour chacun d'entre nous, parce que nous savons que même si parfois ça ne nous plaît pas toujours ce que tu prévois pour nos vies, nous savons, parce que ta parole le dit et nous l'avons déjà expérimenté, que ce que toi tu prévois pour nos vies, c'est ce qu'il y a de meilleur. Alors nous voulons saisir par la foi le meilleur ce matin. Et j'aimerais t'inviter à entendre tes enfants, ceux qui nous suivent par internet comme ceux qui sont ici ce matin, et écoute leur voix là maintenant. Ils sont en train de te demander quelque chose. Ils sont en train de te réclamer une action, une œuvre dans un domaine particulier de leur vie. Eh bien Seigneur, entends cette prière là maintenant. Entends cette parole. Vois peut-être même ces larmes qui coulent déjà de certains qui sont là, émus, mais remplis de conviction et de foi. Peut-être noyés dans certaines difficultés. Seigneur, ce matin, réponds au nom de Jésus. Et ce que nous voulons faire, c'est avant même de pouvoir penser que tu as déjà exaucé la prière, avec le groupe de louanges, nous voulons déjà te louer et t'adorer pour tout ce que tu vas faire à partir de maintenant encore. Au nom de Jésus, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît, avec les musiciens?
de joie. Tu es bon. Je vais devoir lancer un tout petit peu. Tu es bon pour moi. Et je chante. Et je chante. Car depuis chez toi dans la salle. Bon et je danse. Fais quelque chose pour ton Dieu. Tu es bon et je crie. Reclame son nom au travers de ton corps. Tu es bon. Votre travail est témoin. Tu es bon. Et j'acclame. Pour car moi. Tu es bon et j'acclame. Et je chante. Car tu es bon et je danse. Car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon. Je chante car tu es bon et je danse car je vous entends, je crie tu de joie. Es bon et je crie de joie. Tu es bon pour et je chante moi. Avec vous. Et je chante car tu es bon et je danse car je vous entends, je crie de joie. Tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia. Alléluia. Nous allons faire encore quelque chose de particulier ensemble. Nous avons modifié un peu les paroles d'un chant, donc le chant Loué Adonai, et nous allons le faire ensemble. Donc la partie que nous allons faire ensemble, c'est Loué, Loué, Loué Adonai. Ensemble, Loué, 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 Loué Adonai. À vous, Loué, Loué. Loué, 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 loué Adonai. Sans les choristes. Loué. Encore. Loué. Un peu plus fort. Loué Adonai. Loué. Loué, loué. Loué Adonai. Avec les choristes. Ensemble. Loué. Loué, 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 loué Adonai. Acclamez, 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 acclamez Adonai. Acclamez, 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 acclamez Adonai. Ensemble, loué. Jusqu'à la fin du
fin du jour, louer Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints louent. N'hésite pas à lever ta voix. Il y a quelque chose à ton Dieu. Les paroles de louange, les paroles d'adoration, les paroles de remerciement. Car il est saint.
le Seigneur Tout-Puissant.
tu es saint. Seigneur, tu es trois fois saint. Tu es tout puissant, ô grand Dieu d'Israël. Nous te portons la louange ensemble, Seigneur. Nous te portons notre louange. Reçois-la comme un parfum de bonne odeur. Reçois-la comme un parfum de bonne odeur. Dieu tout-puissant, éternel. Louange, louange à l'agneau. Louange, louange à l'agneau. Louange, louange à l'agneau. Amen. C'est l'occasion de donner à chacun de dire quelque chose, de prier. Nous avons soif de toi de plus, souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus ensemble. Nous avons soif de plus, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Nous avons soif. Nous avons soif de plus, souffle de Dieu, nous t'attendons.
soif, nous avons soif. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Encore une fois, nous avons soif, nous avons soif. Nous avons soif de plus. Les difficultés de la vie, toutes sortes de circonstances font que parfois la passion disparaît. Pourrions-nous avoir un moment ce matin pour que la passion pour son nom, la passion pour son œuvre, la passion pour ses actions dans notre vie, la passion pour le développement de son royaume dans cette région puisse à nouveau brûler dans notre cœur. Est-ce que certains auraient besoin que
Le souffle de guérison divine passe ce matin, afin que les blessures soient guéries, afin que le passé soit transformé, afin que quelque chose de nouveau descende du ciel, afin que pas la passion d'hier, même pas la passion d'avant-hier, mais une nouvelle passion prenne place. La passion d'aujourd'hui, avec nos contemporains, avec les circonstances actuelles, avec la crise dans laquelle nous sommes. Seigneur, une nouvelle passion de ta part. Alléluia. Est-ce que nous pourrions prier ensemble ? Mon frère, ma sœur, est-ce que tu as besoin ce matin d'être renouvelé dans cet esprit ? Est-ce que tu as besoin ce matin que cette nouvelle passion prenne place ? Est-ce que tu as besoin ce matin parce que tu vis sur ton antériorité, tu vis sur tes connaissances, tu vis sur ce que tu sais faire, mais tu as besoin d'un profond renouvellement, d'un profond rafraîchissement. Mon frère, ma sœur qui est là, vous qui nous suivez sur Internet, c'est l'occasion là ce matin de vivre un profond renouvellement. Une nouvelle passion. Être, comme nous l'avons chanté, rempli tout à nouveau. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, que nous soyons au balcon, que nous soyons ici, que nous soyons à la vidéo, prenons un temps maintenant. Humilions-nous devant le Seigneur. Si vous avez besoin de vivre ce temps particulier, je vous invite à vous tenir debout à votre place et à réclamer vraiment là dans votre cœur en disant, Seigneur, oui, une nouvelle passion. Une nouvelle force et sagesse qui vient de ta part. Renouvelle-moi dans l'esprit. Alléluia. Quand on parle d'une nouvelle passion, on parle que Dieu communique des choses nouvelles d'aujourd'hui pour notre société, pour l'Église de demain. Que le Seigneur puisse remplir nos cœurs. Prenons un moment, prenons un instant. Commencez à prier le Seigneur. Commencez à lui dire, oui, j'ai besoin. J'ai besoin d'être rafraîchi, j'ai besoin d'être renouvelé, j'ai besoin, comme tout à nouveau, d'être inondé de ta présence. Alléluia, le Seigneur, là, dans ton bureau, là où tu te trouves ce matin, il est capable de descendre là, en ce moment même, et te remplir entièrement, t'inonder comme tout à nouveau de sa présence. Alléluia. Au balcon comme ici, si vous avez envie de ce moment, tenez-vous simplement debout. On va rechanter simplement ce passage. Oh oui, remplis-nous à nouveau. Attisons-nous la passion. Renouvelle pour ton la passion. Attisons-nous Rallume la ce passion. Feu. Alléluia. La passion. Rallume, Seigneur, ce matin. Si vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, laissez le Saint-Esprit vous inonder. Si vous êtes baptisé et que vous parlez en langue ce matin. Alléluia. Collectivement, là. Alléluia, tous ensemble. Nous laissons la vie de l'Esprit remplir nos cœurs, nous inonder, nous rafraîchir. Au nom de Jésus. Alléluia. Guéris. Guéris ce matin. Guéris les souffrances du passé. Guéris les blessures du passé. Guéris les maladresses. Guéris des mauvaises paroles. Brise tous les liens négatifs. Au nom de Jésus. Régère la vie de tes enfants ce matin. Alléluia. Attise un feu nouveau pour la génération d'aujourd'hui, pour l'Église d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, alléluia. Dans le nom de Jésus,
Je prie maintenant pour tous ceux, Seigneur, qui se tiennent devant toi, ici en présentiel ou au travers de cette vidéo. Je prie pour que l'action de ton esprit agisse maintenant. Et tu vois ceux qui ont été blessés, meurtris, cassés intérieurement. Je te prie là dans le nom de Jésus de les rétablir, de les reconstruire, de les renouveler dans le nom de Jésus. Je te prie pour ceux qui sont là aussi ce matin et qui ont besoin de recevoir ce renouvellement puissant de ta part. Seigneur, nous ne voulons pas vivre avec une huile d'onction qui date de quelques années, qui date de quelques décennies. Nous voulons vivre chaque matin avec une huile d'onction fraîche. Seigneur, nous l'avons dit, tu es le Dieu qui renouvelle tes grâces et tes bontés chaque jour. Alors fais en sorte que ton peuple, ici à Reims, à Fagnières, à Épernay, et dans toute cette région de Reims et de la Champagne, nous puissions être renouvelés chaque jour d'une huile fraîche, au nom de Jésus. Viens, Seigneur, restaurer. Viens, Seigneur, guérir. Viens, Seigneur, nous amener tous ensemble dans une nouvelle vision. Renouvelle-nous dans la communion fraternelle. Aide à manifester le pardon, la réconciliation. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur, pour que le diable n'ait plus d'emprise sur tout ce qui a pu être dit et fait depuis des décennies. Mais nous prions, Seigneur, pour qu'il y ait une grâce particulière qui se manifeste sur ton Église. J'ai à cœur, frères et sœurs, de prier pour que ces différentes divisions que l'Église a pu vivre toutes ces dernières décennies, ces 50 dernières années, j'aimerais que nous puissions nous unir ensemble et que nous puissions prier pour que, s'il y a encore des traces aujourd'hui, que tout puisse être restauré maintenant. Que nous arrêtions de colporter dans nos vies intérieures la peine, la souffrance d'hier, et que nous puissions nous engager vers quelque chose de nouveau. Que nous puissions réclamer la grâce de Dieu. L'idée n'est pas de savoir qui avait tort, qui avait raison. L'idée est de comprendre que l'ennemi a utilisé toutes sortes de situations pour diviser l'œuvre de Dieu, le peuple de Dieu, son Église, ses Églises. Et il arrive un temps où quelque chose de nouveau doit prendre place. Il arrive un temps où quelque chose de nouveau doit naître. Et cela ne peut pas naître avec des ressentiments. Cela ne peut pas naître avec toujours dans notre cœur, en pensant à hier. Et j'aimerais que nous puissions aujourd'hui demander à Dieu que dans cette année 2021, quelque chose de spécial puisse se passer. Afin que nous n'ayons plus derrière nous le passé comme un boulet au pied, qui nous empêche finalement de nous développer et d'aller vraiment dans ce que Dieu a prévu. Et que le Seigneur puisse agir maintenant. Et puis, j'aimerais rajouter une prière avec vous. Que l'Église à Reims ne vive plus jamais de division. Est-ce que nous pouvons ordonner à l'ennemi de faire en sorte que, à partir de ce jour, nous refusons ensemble tout esprit de division qui voudrait venir dans quelque œuvre que ce soit dans laquelle nous œuvrons et nous travaillons aujourd'hui au nom de Jésus. Est-ce que d'un seul cœur, nous pouvons nous unir ce matin et de dire, Seigneur, nous ne voulons plus jamais de cela.
Nous l'avons vécu. Certains souffrent encore de ce que cela peut produire. Nous ordonnons maintenant à l'ennemi de nous lâcher au nom de Jésus. Nous réclamons un esprit de discernement pour que dès qu'un embryon pourrait commencer à prendre place, il puisse comme être détruit dans l'œuf immédiatement. Afin qu'il n'y ait plus de traces sur cette église, mais que le Seigneur nous amène dans quelque chose de nouveau. Frères et sœurs, chers amis, c'est notre responsabilité. C'est notre attitude en tant que membres de l'Église, en tant que croyants, en tant que chrétiens qui vivons et qui participons à l'œuvre ici, dans cette région. Ce sont nos comportements, ce sont nos paroles. Ce n'est pas qu'une question démoniaque ou d'action de démon. Mais l'ennemi sait utiliser nos rancœurs, nos critiques, nos amertumes, nos blessures, pour essayer de nous atteindre et d'atteindre l'Église. Est-ce que nous pouvons prier maintenant? Est-ce que je peux entendre à MCE une Église qui prie? Et là, qui dépasse le stade de la prière maintenant, qui entre maintenant dans l'intercession, en disant nous ne voulons plus de ces choses-là, et qui dans quelques instants, nous allons basculer dans le combat spirituel en ordonnant à l'ennemi de ne plus revenir avec cette pensée de division dans cette église, au nom de Jésus. Est-ce qu'ensemble nous pouvons commencer à prier? Alléluia. Ô Dieu de grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Intercédons, même là, derrière la vidéo, intercède, mon frère, ma soeur. Ne fais pas simplement de regarder, t'es pas au théâtre, t'es pas au spectacle ce soir. Ce matin, tu es devant le roi des rois. Nous sommes tous concernés. Alors ensemble, nous voulons voir quelque chose de nouveau sur la place de Reims. Alléluia. Oh oui. Une nouvelle forme d'unité. Refusons dans le nom de Jésus tout esprit de division. Nous ordonnons à l'ennemi de lâcher l'église MCE à Fagnières, à Épernay, à Reims, avec tout esprit qui serait amené à perdre son action, son œuvre, sa réputation, la proclamation de l'évangile. Nous réclamons sur ton église, non simplement dans ces trois villes, mais sur toute la région. Nous réclamons sur tes églises une onction nouvelle, une visitation nouvelle. Au nom de Jésus, nous réclamons quelque chose qui vient de ton cœur, Seigneur, et qui va venir envahir nos cœurs. Alléluia. Sur nous ce matin. Souffle sur nous maintenant. Alléluia. Souffle sur nous. Alléluia. Souffle, souffle, souffle. Renouvelle-nous, remplis-nous comme tout à nouveau. Alléluia. Remplis tes enfants, ici comme au loin. Remplis-les de toi. Alléluia. Pourtant à
remplis, remplis ce matin au nom de Jésus. Baptise dans le Saint-Esprit, visite. Alléluia, renouvelle dans le Saint-Esprit. Attise-en-nous la patience. Et des enfants. Attise-en-nous la patience. Seigneur, pour tes enfants qui ont besoin de recevoir quelque chose de nouveau. Tu connais leur expérience de vie, de cœur, tu connais aussi leurs souffrances, leurs blessures, et tu connais aussi, bien entendu, ce que tu as programmé comme destiné, comme de lendemain pour eux. Seigneur, à ceux qui sont là, debout, devant toi, je te prie d'exaucer leurs prières. Viens guérir et viens renouveler la passion. Viens renouveler ton onction. Viens apporter quelque chose de nouveau que toi seul connais. Et au travers du bienfait que tu apportes à chacun de tes enfants ce matin, c'est l'Église tout entière que tu transformes. C'est l'Église tout entière que tu régénères. Je te bénis pour ta présence. Je te bénis pour ton amour. Je te bénis parce que tu ne nous as pas rejetés. Tu ne nous as pas mis de côté. Mais tu daignes encore vouloir œuvrer avec nous. Malgré toutes nos imperfections, malgré toutes nos incompréhensions. Oh Jésus, nous te demandons pardon pour tout le temps que nous avons perdu. Pardon pour tous les conflits qui ont pu exploser depuis 50 ans dans cette église. Nous nous humilions devant ta face. Nous réclamons ta grâce. Pardon pour l'orgueil. Pardon pour le paraître. Amène-nous dans une humilité nouvelle, afin que nous puissions voir tout à nouveau ta gloire. Afin que tout à nouveau, le surnaturel prenne place avec abondance. Que nous puissions voir la mise en pratique de ta parole s'accomplir par des conversions authentiques, mais aussi avec des signes, des prodiges et des miracles. Seigneur, nous te prions pour que chacun d'entre nous, nous redevenions ce sel qui va donner cette nouvelle saveur à toute cette région. Aide-nous à retrouver cette lumière et à éclairer tous ceux qui sont dans les ténèbres et qui ont besoin de percevoir un chemin nouveau. Pardon. Et merci pour la grâce et la miséricorde que tu manifestes à notre égard. Au nom de Jésus. Alléluia. Prenons un dernier chant ensemble et nous ouvrons la parole ensuite.
Le Seigneur, le roi des rois. On acclame celui qui est vivant pour l'éternité. Amen. C'est tout, vous acclamez que ça. C'est juste ce qu'il a droit. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il règne pour l'éternité, même en période de crise. C'est lui qui a le dernier mot. Alléluia. Notre vie dépend de notre roi. Alléluia. À lui soit la gloire. Ne soyons pas avares dans la gloire qui revient au Seigneur. Amen. Que son nom soit béni. Merci pour ce temps de louange, ce temps d'adoration. Reprenez place. J'aimerais accueillir ceux qui nous visitent, les personnes nouvelles, aussi bien celles qui sont sur Internet, qui se connectent pour les premières fois. Régulièrement, nous avons des messages de personnes qui
n'ont rien à voir avec notre région, mais vous savez que Internet va au-delà des frontières. Et donc, nous touchons aussi plusieurs personnes qui ont soif de la parole et qui ont envie aussi d'aller plus loin. Donc, nous les accueillons, nous les saluons. Nous accueillons également les personnes nouvelles qui sont ici. Certaines nous rejoignent en tant que présentiel. Soyez aussi bénis et que le Seigneur puisse vous accorder toute sa grâce, tout son soutien et vraiment toute son aide. Amen. Voilà. Nous allons un peu plus loin et j'aimerais vous inviter à ouvrir avec moi de nouveau l'Évangile et nous allons poursuivre notre étude. Je vais essayer d'être un peu plus court, on m'a dit que c'était un peu long, c'est vrai, mais en même temps ce sont des études et j'aimerais que nous puissions aussi parfois aller en profondeur au niveau de la parole. Alors on va peut-être couper un petit peu, mais je comprends que ce n'est pas facile. Juste une petite information, je rappelle que si vous venez avec vos enfants sont sous votre responsabilité. Il n'est pas question que vous soyez en bas et que vos enfants s'amusent en haut. Le balcon n'est pas fait pour les enfants. On vous a déjà informé que nous n'avons pas pu reprendre à ce jour les cultes pour enfants. Nous sommes en train de réfléchir à réaménager des pièces pour pouvoir avoir une salle qui corresponde aux normes sanitaires avec une entrée et une sortie indépendante et de pouvoir recevoir en rez-de-chaussée les enfants. Si vous venez avec vos enfants, merci de respecter cela. Et si vous êtes au balcon avec vos enfants, ce n'est pas parce que vous êtes au balcon que vos enfants doivent courir et s'amuser de partout. Merci de respecter ceux qui sont là aussi pour profiter du culte, pour recevoir aussi la parole de Dieu. Amen. En plus, il est interdit de se déplacer en période sanitaire comme la nôtre actuellement. Alors, merci de votre compréhension. Pardon s'il y a des restrictions, mais c'est comme ça. Amen. Quand vous allez dans les magasins, il y a des restrictions. Quand vous allez quelque part dans un laboratoire ou quoi que ce soit à l'hôpital, il y a des restrictions. L'Église ne manque pas non plus un certain nombre de restrictions. Ce serait vraiment dommage qu'il y ait de nouveau un cluster dans une église et qu'on retrouve encore, vous voyez ce que je veux dire, hein? Alors, veillons, faisons attention, laissons Dieu nous aider, mais en même temps, soyons sages. C'est notre responsabilité à tous. Amen. Nous avons vu plusieurs choses concernant la vie de l'esprit, les dons. On va continuer à rentrer dans des choses concrètes, dans des choses pratiques. Nous nous sommes arrêtés ensemble sur ce passage de 1 Corinthiens, le chapitre 12, et donc le verset 7 à 11, qui nous parle de ces 9 dons spirituels qui nous sont donnés. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter les messages précédents, vous pouvez les retrouver sur la playlist qui porte exactement le même nom, « Comment découvrir et mettre en action ces dons naturels et spirituels » sur notre chaîne YouTube. Nous avons vu dernièrement les dons de révélation, la parole de sagesse, parole de connaissance et le discernement des esprits. Nous les détaillons actuellement tout simplement parce que il est important de comprendre leur action de manière individuelle. Mais la réalité, on va le répéter encore, c'est que très souvent dans une action de Dieu, plusieurs dons sont en action, n'est-ce pas ? Il n'y a pas simplement qu'un seul. Nous allons nous arrêter ce matin sur les dons de puissance. Qu'est-ce qu'on entend par les dons de puissance ? La foi, le don de guérison et le don d'opérer des miracles. Amen ? On y va ? Une première remarque que nous pouvons faire dans les dons de puissance, c'est que nous ne devons pas confondre les dons de puissance avec des actes de puissance réalisés comme par exemple des guérisseurs, des sorciers, des magnétiseurs, des magiciens et tout ce que vous pouvez connaître dans le domaine surnaturel occulte, que ce soit des activités d'occultisme ou toutes sortes d'autres activités qui flirtent avec la vérité ou qui flirtent avec l'Évangile. Pourquoi je parle de cela ? Tout simplement parce que Jésus lui-même et l'apôtre Paul nous ont avertis à l'égard de ces choses et de toutes ces pratiques occultes, dangereuses et séductrices. Quelle est, juste une petite parenthèse, mais
la grande différence. Lorsque le diable, au travers de ses pratiques occultes, semble guérir quelqu'un, et l'action de Dieu, lorsque lui, par son esprit, restaure, guérit, libère. Quelle est la grande différence, à votre avis ? Parce que certaines personnes vont nous dire, par exemple, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais des fois, des personnes vous disent, mais peu importe que ce soit Dieu ou les autres, l'important, c'est d'être guéri. Vous avez jamais entendu ça ? Parfois, en discutant avec des personnes inconverties qui n'ont pas de base de foi, etc., moi, j'ai... Et si Jésus ne veut pas me guérir, ben, je vais aller voir un guérisseur. J'ai même parfois entendu des chrétiens tenir ce langage-là. Et parfois même y aller. Quelle est la grande différence ? La grande différence, c'est que le diable ne fait jamais rien gratuitement. Est-ce que vous savez ça ? Le diable ne fait jamais rien gratuitement. Ça veut dire qu'il y aura un moment où il y aura un retour de manivelle. Et une des choses essentielles, c'est la perdition de notre âme pour l'éternité. Et parfois, il y a des contre-coups. Je pourrais vous donner des exemples d'amis missionnaires en Afrique qui expliquaient, lorsque ils étaient en train de regarder des cars qui arrivaient vers des sorciers, vers et avoir eu l'occasion un jour de discuter avec ce fameux sorcier qui, quelque temps avant, venait de se convertir. Parce qu'il avait empoisonné la seule source d'eau du missionnaire pendant plus de 2 ans. Et un jour, il est entré dans l'église, une grande église comme celle-ci, où il s'est prosterné. Il n'est pas entré en marchant, il est rentré en rampant à plat ventre jusqu'au missionnaire. Il s'est dit, qu'est-ce qui va nous faire celui-là encore aujourd'hui ? Parce qu'il avait l'habitude, parfois, de venir lancer des prédictions maléfiques sur les chrétiens, sur l'Église, etc., etc. Et donc, quelques années après, il vient, il se prosterne et il dit au missionnaire pasteur qui était là, « Je veux abandonner tous les dieux que je sers aujourd'hui pour maintenant ne servir que le Dieu que toi tu prêches. » Et alors, le missionnaire, pensant que c'était encore une histoire, un subterfuge ou quelque chose pour essayer de le tromper ou de faire en sorte que finalement, eh bien, il y ait quelque chose qui se passe, cet homme, ce sorcier, explique. Il dit, ça fait 2 ans que je suis en train, pratiquement chaque semaine, d'empoisonner la seule source d'eau du puits que vous avez là où vous servez. Même ton chien, il n'est pas mort. Toi, tes enfants, les animaux, ceux qui sont là, personne. J'aurais pu tuer tout un village, disait-il, avec ce que j'ai mis à l'intérieur. Même ton chien n'est pas mort. Quelque temps plus tard, cette personne convertie discute avec ce missionnaire et lui expliquait ce qu'il se passait réellement lorsque des bus arrivaient ou des personnes en moto, en voiture, etc. et attendaient, faisaient la queue. Et que là, eh bien, certains venaient pour un problème de digestion, un cancer, des douleurs à l'épaule, etc., etc. Et il expliquait, tu vois, là, j'avais le pouvoir de guérir. Mais dans 3 mois, il va lui arriver cet accident-là. Là, j'ai le pouvoir de guérir cette personne. Mais il va lui arriver ceci, etc., etc. Et cet homme expliquait au missionnaire le contrat qu'il avait pour dire, je suis capable de donner de l'amour, je suis capable de donner de l'argent, je suis capable, mais il y a toujours un prix à payer. Frères et sœurs, excusez-moi, là, je vais me faire disputer, on va me dire, tu sors du champ de la caméra, et vous, vous êtes là, mais il y a 50 au moins ou 60 familles qui sont connectées actuellement, alors ils ont peut-être besoin aussi de voir un petit peu ce qui se passe. Frères et sœurs, quand Jésus guérit, c'est gratos. Alléluia. Quand Jésus guérit, c'est gratuit. Il n'y a pas de contrepartie.
D'ailleurs, Jésus ne nous guérit pas si nous sommes des gens bien. Jésus ne nous guérit pas si nous venons fidèlement à l'église ou pas. Jésus ne guérit pas si nous apportons notre offrande, notre dîme ou pas. Hello ? On n'est pas dans l'évangile de prospérité. Jésus guérit sur une seule condition. On est la foi et par la possibilité qu'il a de manifester sa grâce dans notre vie. Dès que nous disons « Seigneur, manifeste ta grâce », il le fait. Alléluia. Amen. Et ça, c'est vraiment important de réaliser et de comprendre cela, de savoir la différence qu'il y a entre l'œuvre de l'ennemi et l'œuvre de Dieu. Dans Matthieu 24, 24, la Bible nous dit qu'il s'élèvera des faux Christ, des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges, ils feront des miracles au point de séduire, même s'il était possible, les élus de Dieu. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a un paquet d'élus qui sont séduits. Il y a un paquet de séductions aujourd'hui, mais le Seigneur lui-même nous dit dans sa parole, « Je vous l'ai annoncé d'avance. » C'est pour que vous soyez au courant de ce qui va se passer. Alors, dans la définition ici, nous pourrions dire que les dons de puissance sont tout simplement la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans les œuvres physiques ou matérielles diverses que nous pourrions rencontrer. La Bible nous dit que Satan se transforme en ange de lumière pour séduire le peuple de Dieu, entre autres aussi. Quelqu'un a dit qu'il était le singe de Dieu. Pourquoi ? Ne pouvant pas lui-même créer quoi que ce soit, si ce n'est d'engendrer le péché, mais seulement d'imiter Dieu pour essayer de tromper les hommes et les femmes et de pouvoir les éloigner de la vérité. Plusieurs passages de la Bible nous parlent de falsification de la part de l'ennemi. Je ne vais pas les lire pour aller plus vite, mais Matthieu 7, 21 à 23, vous pourrez lire 2 Corinthiens 11, 13, 1 Thessaloniciens 2, 8. Vous pourrez prendre le temps d'étudier ces passages chez vous. Et c'est la raison pour laquelle nous ne devons pas accepter toutes les manifestations spirituelles, mais comme nous l'avons vu dimanche dernier, éprouver les esprits. Avoir du discernement, afin que nous puissions savoir si les choses viennent véritablement de Dieu ou si cela vient de faux prophètes venus dans ce monde, comme le déclare 1 Jean 4. La deuxième remarque que nous pourrions faire, c'est que nous ne devons pas penser non plus, et c'était quelque chose, je me semble, d'important, qu'une personne qui exerce un don, on va dire, spectaculaire, est plus spirituelle qu'une autre qui exerce peut-être un don plus modeste. C'est entièrement anti-biblique. Nous, on fait des différences. Mais la réalité, c'est que Dieu n'en fait aucune. Il n'y a pas de plus grande spiritualité de l'un et moins de l'autre. Pourquoi ? Parce que c'est l'Esprit qui donne comme il veut. Dans les deux cas, c'est ni l'un ni l'autre qui manifeste et qui accomplit le don au travers de sa propre connaissance ou puissance. Nous sommes tout simplement transparents et nous sommes des canaux au travers desquels le Saint-Esprit a la possibilité ou pas de passer. Si Dieu veut m'utiliser pour guérir comme il l'a déjà fait maintes fois, que Dieu soit béni. Mais si Dieu veut m'utiliser simplement pour apporter une parole de connaissance ou une parole prophétique à une personne seule dans la rue, quelque part, qui a besoin de quelque chose dans la relation dans laquelle nous sommes en train d'établir, que Dieu soit béni. Il n'y a pas de plus grande, comment dirais-je, pensée spirituelle que l'un est plus élevé que l'autre. Pas du tout. Et puis, de plus, ce n'est pas parce qu'une personne possède un don. Écoutez bien ceci. Ce n'est pas parce qu'une personne possède un don, quel qu'il soit, que Dieu approuve systématiquement ses actions ou son enseignement. Alors nous, parfois, ça nous dépasse. Je n'ai pas le temps ce matin et je ne veux pas révéler des choses, mais je pourrais vous donner des témoignages de certaines choses qui se sont passées il y a quelques années en arrière dans des missions ici ou là où nous voyions des miracles extraordinaires. Et quand vous regardiez la vie des gens, parfois dans l'adultère et parfois dans une vie morale complètement dépravée, vous vous dites « mais c'est pas possible,
c'est pas Dieu. Si, pourquoi ? Parce que Dieu ne se repent pas de ses dons. Quand Dieu a donné, il a donné. Mais ce n'est pas parce que Dieu nous a donné quelque chose que automatiquement il approuve aussi notre vie. C'est de notre responsabilité de continuer de marcher dans la vie sainte et chrétienne, pure, telle que le Seigneur nous l'a demandé. C'est notre responsabilité. Parce que Dieu nous fait grâce, mais à un moment donné, si nous ne nous reprenons pas, à un moment donné, si nous ne nous repentons pas, à un moment donné, si nous ne mettons pas aux normes et au clair dans notre vie, il arrivera la catastrophe. Et tout sera mis à la lumière. Et nous serons disqualifiés du service divin. Mais Dieu a de la patience. Et ce qu'il fait, c'est ce qu'il fait avec chacun d'entre nous, eh bien, il patiente, il nous appelle, il nous interpelle pour que nous puissions mettre en phase nos vies, en conformité nos vies. Alléluia. On l'a dit également, il ne faut pas confondre les dons spirituels avec le fruit de l'esprit. Et je vous invite encore à travailler aussi le fruit de l'esprit. Pourquoi ? Parce que le fruit de l'esprit est directement lié au caractère chrétien, à la sanctification. Galates 5, 22. Sanctification, c'est-à-dire la mise à part, se mettre à part pour le Seigneur, prendre du temps avec lui et laisser Dieu agir dans notre existence. Alors, arrêtons ce matin, pendant quelques instants, sur ces trois dons de puissance. Le premier qui est cité dans ce texte, c'est la foi. La foi du verbe pisti. Ce n'est pas la même foi que celle qu'on a lorsqu'on a besoin d'être sauvé. C'est un autre type de foi. Ce n'est pas la même foi pour, par exemple, saisir le baptême dans le Saint-Esprit. Non. C'est une foi qui nous amène dans une confiance en Dieu toute particulière et surnaturelle, qui va ensuite nous pousser à croire que Dieu est capable d'accomplir des choses miraculeuses et extraordinaires. Ce n'est pas une foi qui est naturelle, ce n'est pas une foi peut-être qui est même permanente, c'est quelque chose qui vient à un moment donné à cause de quoi ? À cause d'une circonstance particulière dans laquelle Dieu nous place. Et ce bout de fin de phrase que je viens de citer est ce qu'il y a de plus important si nous voulons voir la gloire de Dieu. Parce que la réalité, c'est que beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens disent « Mais aujourd'hui, il n'y a plus de miracles, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de guérison, etc. » C'est juste faux. Et le fait de tenir ce langage-là nous amène tout simplement à négativer, à être négatif, laisser finalement l'ennemi susurrer à notre cœur, à notre pensée qu'effectivement Dieu est absent aujourd'hui, Dieu ne fait plus ceci, Dieu ne fait plus cela, etc., etc. Je crois qu'il y a une autre réalité réelle que celle-ci. L'autre réalité, c'est que Dieu poursuit toujours aujourd'hui le fait d'accomplir des signes, des prodiges et des miracles. Mais nous sommes de moins en moins nous-mêmes dans des circonstances où nous allons laisser Dieu agir et se manifester. Nous sommes dans un confort de vie. Nous n'avons plus les mêmes problématiques qu'il y a 40 ans ou 50 ans en arrière. Nous avons des moyens de communication, nous avons des moyens de déplacement, nous avons des moyens de santé, nous avons toutes sortes de choses qui font qu'aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, nous n'avons plus besoin de Dieu. Petite douleur là, Doliprane. Je ne fais pas de pub, c'est pas vrai ou pas ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas en prendre, comprenez bien. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas utiliser la science, qu'il ne faut pas utiliser la médecine. Bien entendu, Dieu a décuplé, Dieu a donné de l'intelligence à des hommes, à des femmes. Dieu a donné la possibilité à des chercheurs de trouver ce que lui-même avait créé et de pouvoir justement satisfaire un peu plus, nous donner un peu plus d'amélioration. On est tous contents d'avoir de l'eau courante à la maison, non ? Vous êtes tous contents quand vous avez un petit besoin la nuit ? Vous n'êtes pas obligé de sortir dans une cour à l'extérieur. Alors, je ne sais pas si je suis très vieux, mais moi, j'ai connu ça. Et je suis très content d'avoir des toilettes dans une maison et puis avoir de l'eau chaude aussi. Oui ou non ? Donc, toutes ces choses, c'est bien, c'est bon. Et je bénis Dieu pour le fait que, même parfois, beaucoup de chrétiens, de missionnaires, de pasteurs ont été à l'origine de ces choses-là. Mais la réalité, c'est que nous nous retrouvons de moins en moins, vous et moi, dans des circonstances où nous sommes
dans l'obligation d'invoquer la puissance et la grâce de Dieu. C'est une autre dimension, la foi, cette foi-là dont il est question. Une foi miraculeuse qui va produire des miracles. On pourrait dire que c'est la foi qui va déplacer des montagnes dans des circonstances particulières. C'est-à-dire, vous allez recevoir une parole, une conviction, un message de Dieu à cause de la circonstance dans laquelle vous vous trouvez et souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, associé à d'autres manifestations telles que par exemple la guérison, le miracle et la manifestation de Dieu va se produire. C'est donc la capacité, je dirais pour résumer, de croire Dieu et non simplement de croire en Dieu. Est-ce que vous comprenez la différence ? Il y a beaucoup de chrétiens qui ont du mal à comprendre cette différence-là, mais c'est ça qui va faire la différence de notre relation surnaturelle avec le Seigneur. Apprenez à croire Dieu plutôt que de croire en Dieu. Il y a des millions de gens qui croient en Dieu, voire même en plusieurs dieux. Eh oui. Les juifs croient en Dieu, les catholiques croient en Dieu, les protestants croient en Dieu, les musulmans croient en Dieu. Les bouddhistes croient en toutes sortes de dieux, de divinités, etc., etc. Et on peut démultiplier cela. La Bible ne nous invite pas simplement à croire en Dieu. Elle nous invite à croire Dieu. À croire ce qu'il est. À croire ce qu'il dit. À croire ce qu'il fait. Alléluia. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, il déverse dans nos cœurs des convictions, des signes, des messages précis. La Bible, Esprit et Vie, concernant ce thème, dit ceci, la foi ici, c'est la confiance inébranlable, divinement impartie à quelqu'un selon laquelle Dieu agira dans une circonstance particulière et démontrera la puissance de sa gloire à travers un acte surnaturel, totalement en dehors des moyens ordinaires ou simplement humains. Je vais vous donner un exemple. Au début de notre ministère, avec Muriel, on était dans une petite ville, on avait fait la connaissance de personnes qui, lui, commençait à venir à l'église, l'homme, et puis ça faisait déjà plusieurs mois qu'il commençait à venir et qu'il commençait à assister, à participer. Et puis, on a été appelés une nuit parce que leur bébé de quelques mois, à cause de problèmes de santé et d'une machine que l'hôpital leur avait donnée chez eux, ils ne savent pas ce qui s'est passé, mais le bébé a été électrocuté. Pompiers, médecins, et au bout de plusieurs minutes ou heures, à un moment donné, le médecin a déclaré le décès de l'enfant après tous les essais de réanimation, etc. Nous sommes appelés en urgence et nous prions, nous nous mettons à prier, bien sûr, immédiatement pour cette situation. Et la maman demande si, avant que l'enfant soit maintenant enlevé, elle peut passer encore quelques minutes avec lui dans le salon, à part, pour lui dire au revoir. Bien sûr, pompiers, médecins acceptent cela. Et donc, l'enfant, décédé, inerte, depuis maintenant au moins une demi-heure, trois quarts d'heure, est là dans ses bras, et elle crie à Dieu, pleure, dans une souffrance vraiment total, bien entendu, on peut tout à fait comprendre cette situation. Le papa est démoralisé, il est dépassé par la situation. Et ça dure des minutes. Et elle ne sait pas ce qui se passe. À un moment donné, alors qu'elle crie à Dieu, que nous sommes en prière tous, l'enfant refait des soubresauts. Et comme il y a des membres qui commencent à bouger, je ne sais pas si je limite bien, mais vous savez, c'est pas cohérent, bien entendu. Et elle dit, mais on peut pas partir comme ça. Les pompiers qui sont là et les médecins sont troublés. Et du coup, ils ne décident pas de l'amener directement donc, à la morgue. Mais sans aucune protection, c'est-à-dire sans machine, sans oxygène, sans rien du tout,
ils disent, ben, on va l'amener aux urgences. Et ils le déposent là-bas avec la maman dans une chambre. Et ils le laissent là. Ne sachant pas vraiment quoi faire par rapport à cette situation, il n'a aucun traitement. Aucune machine respiratoire n'est branchée. Il n'a absolument rien. Et l'enfant reste là en faisant des soubresauts comme cela pendant 3 jours. À l'époque, tout le monde est dans plus ou moins l'incompréhension. Il est inconscient, il est comme plongé dans un coma, mais le cœur continue à battre de manière complètement, non simplement inattendue, mais pas régulière. Mais l'enfant est là. Les médecins disent aux parents qui sont là, ça fait 3 jours, mais attendez-vous à ce qu'il meure dans quelques instants, parce qu'on ne voit vraiment pas. Tous les tests qu'on a faits, tous les examens montrent que cérébralement, c'est mort. Il avait, à cause du fait que... Il soit décédé pendant plusieurs minutes, le sang dans le cerveau a commencé à faire des caillots, a commencé à noircir, et il avait toute une partie du cerveau quand il faisait les examens qui étaient noirs, quoi. Et il a dit aux parents, vous savez, même s'il devait continuer à vivre comme ça, ça serait, ils ont donné cette expression-là, ils ont dit, ça serait un légume. Il ne pourrait absolument rien faire de lui-même. Et c'était un petit bout de chou de 3 mois. Je suis donc venu à l'hôpital plusieurs fois, visiter cet enfant, visiter ses parents qui étaient là dans une grande détresse. Et un après-midi, ça a marqué ma vie. Comme d'autres événements que Dieu nous permet de le vivre, je demande à la maman et aux infirmiers qui sont là, je lui dis, mais est-ce qu'il réagit quand vous savez, le pied, ils font des choses pour voir si l'enfant... Non, il avait juste des soubresauts comme ça, il réagissait absolument à rien. Donc il me dit non, il ne réagit absolument pas, il n'a aucune activité, la situation est comme ça. Quand je l'ai vu, et que finalement, le 4e et le 5e jour, il était toujours dans la même situation, alors ils l'avaient perfusé, ils avaient mis l'oxygène, et ils disent on s'attend simplement à ce qu'il décède. Et alors qu'il est là, attaché sur le lit, quand vous voyez un petit bout de chou, attaché parce qu'il fait des soubresauts, il ne faut pas que les fils soient emmêlés, etc. Ça vous saisit. Et puis, j'étais barbu à l'époque comme ça aussi, j'avais une petite barbichette et je discute avec la maman. Et à la fin, oui, je vous parle de la barbichette parce que c'est important. Parce qu'à la fin, je fais un bisou à cet enfant pour lui dire au revoir. Il n'y avait pas de Covid. Hein. Donc, je fais un bisou à cet enfant et l'enfant est comme piqué par ma barbe. Et il réagit. Mais je ne m'en rends pas compte. Je fais un bisou, je dis au revoir à ce petit garçon, je salue la maman, je vais dans le couloir, je suis en train de partir, et là, je réalise ce qui vient de se passer. Donc je retourne dans la chambre, je revois la maman, je dis, tu as vu ? Il a réagi. Elle me dit, comment ça ? Ben, je dis, je viens de lui faire un bisou, et il y a là ma barbe apparemment qui l'a piqué, et qui a fait en sorte que cet enfant réagisse. Et à ce moment-là, alors que je suis re-rentré dans la chambre, je reçois la pensée de Dieu, dis-lui que l'enfant ressuscite et qu'il va reprendre vie. J'ai dit ça, Seigneur, tu lui dis toi-même. Vous savez, il y a des trucs qu'il vaut mieux pas dire. Hein. C'est chaud, hein ? Non, mais mettez-vous à ma place. Tout jeune pasteur, mais je n'étais même pas pasteur, j'étais stagiaire. J'étais là, Alors je dis, Seigneur, non, je peux. Et ça venait dans mon cœur. Je dis, non, Seigneur, je ne peux pas dire un truc comme ça. Je lui dis, imagine une seconde que ça ne se fasse pas. Je dis, t'imagines. Et ça vient avec une telle intensité, avec une telle force. Alors là, j'ai utilisé le conditionnel d'une manière assez exagérée. J'ai parlé avec la maman et je lui dis, je pense que il y aurait peut-être une éventualité en poursuivant nos temps de prière. Bref, vous comprenez dans la situation mal à l'aise dans laquelle j'étais, mais c'était tellement fort. Cette notion de foi à ce moment-là avec cette parole de Dieu, je finis par lui dire, je crois que cet enfant va reprendre entièrement vie. Que Dieu va faire de cet enfant qui est inerte actuellement, comme dans un coma, il va faire de lui une nouvelle créature là maintenant. Je sors, j'entrevois un médecin, une infirmière qui est là,
Et je parle à cette femme médecin et je lui raconte ce qui vient de se passer. Et quelque part, je ne lui dis pas que Dieu m'a dit, m'a révélé. Je dis simplement, vous imaginez, il y en a qui font... Je dis juste que je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la vie de cet enfant et que très certainement, il va reprendre vie. Elle m'a pris pour un fou. Elle m'a tout dit. J'ai tout entendu ce jour-là. Quand elle m'a dit, mais vous êtes qui pour dire ça ? Le pasteur. Je me suis vraiment fait prendre pour un clown. Sauf que dans les 48 heures, l'enfant est revenu à la vie. Dans les 48 heures et les jours qui ont suivi, je vous la fais courte, l'enfant n'est resté à peine que un mois à l'hôpital, alors qu'il avait été électrocuté. Alors que son cerveau, toute une partie du cerveau était noire, au bout d'un mois, il retrouvait toute sa motricité. Il retrouvait la possibilité de remanger, etc. Enfin, en tout cas, de prendre des biberons, d'être allaité. Les médecins étaient juste stupéfaits de ce qui était en train de se passer. On l'a revu plusieurs années plus tard. Il devait subir une petite opération de la lèvre. Et le hasard des choses a fait qu'on croise cette famille sur une station d'autoroute. Et je reconnais l'enfant dans la voiture et les parents. Et je dis, mais c'est lui. Et on a pris des nouvelles. Et puis, la parole de foi, une parole de conviction, c'est ça la foi, c'est cette manifestation que Dieu va opérer au travers d'une parole, au travers d'une conviction. Alors, la grande différence, voyez, c'est que ensuite, je ne suis pas allé voir tous les enfants de l'hôpital qui avaient été électrocutés. Vous voyez ? Pour dire aux parents la même chose. Ce que malheureusement, parfois, dans le milieu chrétien, nous faisons. C'est-à-dire que parce que quelqu'un a été guéri d'une certaine manière, parce qu'une résurrection s'est mise en place d'une certaine façon, alors on va essayer de reproduire la scène. Vous voyez ? On va essayer de reproduire les choses. Dieu ne reproduit rien. Dieu est un créateur. Et avec chaque circonstance, il fait les choses comme il le veut. Et c'est cette foi-là qui a fait que l'œuvre s'est manifestée et au travers de cette foi, laisser tout simplement ensuite l'œuvre de Dieu se faire au travers de notre vie. La foi, c'est aussi cette manifestation que chaque croyant nous pourrions avoir pour pouvoir justement aussi endurer des épreuves difficiles. Oui, c'est la foi. C'est le don de foi que nous avons besoin. Vous savez, pour accomplir des œuvres de puissance, opérer des miracles, chasser des démons, etc., il y a besoin de cette foi qui est déterminante. Mais nous avons aussi besoin de cette foi qui va au-delà tout simplement d'une petite confiance en Dieu, le fait que nous sommes sauvés et que nous irons au paradis, lorsque par exemple, Dieu nous commande de faire des choses ou d'aller quelque part. Prenez l'épître aux Hébreux. Vous avez un exemple et plusieurs exemples, notamment concernant Abraham. Ben, il lui a fallu cette foi-là. La foi dont il avait besoin, ce n'était pas la foi du salut. La foi dont il avait besoin, c'est de cette foi particulière, ce don de foi qui le rendait totalement dépendant de la volonté de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit pour partir pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, etc. etc. Et on sait que ça ne s'est pas fait en 15 jours. Donc c'est cette manifestation de cette foi, peu importe les circonstances, je continue à croire. Alléluia. C'est une foi toute particulière, toute puissante, qu'il a fallu à cet homme pour quitter un certain confort là où il était et faire du camping pendant des années. Sarah, c'est pareil. La Bible nous dit que c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Vous connaissez l'histoire, hein ?
tout le corps médical s'est rassemblé autour de Sarah. Et des personnes éminentes lui ont dit, Sarah, écoute, il faut que tu comprennes que là, c'est plus possible. Hein. T'es trop vieille. Là, c'est pas possible. Tu peux plus avoir d'enfants. On a encore fait une échographie la semaine dernière. Elle est formelle. Hein. T'es trop âgée. Mais par la foi, avec la parole de Dieu qu'elle avait reçue, avec Abraham, nous connaissons ce qui s'est passé. Alléluia. Mon frère, ma sœur, nous avons besoin de cette foi-là également. Même si parfois l'échographie dit le contraire. Si c'est ta conviction personnelle, fais attention. Mais si c'est vraiment le Seigneur qui a parlé à ton cœur, c'est différent. Et c'est là où nous avons vraiment besoin d'appréhender la voix de l'Esprit pour faire la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de nous. Et le grand mystère est là. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de croyants, excusez-moi, mais font des bêtises, incitent parfois même certaines personnes à faire des choses qu'eux-mêmes n'ont pas reçues comme conviction? Tout simplement parce qu'ils aimeraient bien que leurs pensées, ce qu'ils imaginent de la situation, s'accomplissent. Sauf que parfois, et même souvent, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et c'est là la grande différence. Nous avons besoin de cette foi également lorsque nous en voyons hein, bien d'autres. Hébreux 11, 32. Que dirais-je encore ? Le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de... Vous voyez, on n'est pas seul à manquer de temps hein, pour faire des choses. David, Samuel, des prophètes, regardez ce qu'il est dit. Par la foi, ils vainquirent des royaumes, ils exercèrent la justice, ils obtinrent des promesses, ils fermèrent la gueule des lions, ils éteignirent la puissance du feu. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure ? Nous, en tant qu'humains, on dit, ouais bon, fermer la gueule des lions, ça c'est top quand même. Ça c'est vraiment le miracle, la foi, etc. Vaincre des royaumes, bon, il y avait une armée, tout ça, il y avait... Vous comprenez la réflexion parfois que nous avons ? On relativise les choses. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit que tu es vaincu des royaumes, exercer la justice. Mais comment ? Ben oui, prenez l'exemple de Salomon et d'autres. Exercer la justice, obtenir des promesses, fermer la gueule, éteindre des puissances de feu, échapper aux tranchants de l'épée, guérir de leur maladie, être vaillant à la guerre, mettre en fuite des armées étrangères. Tout cela, c'est par la foi, parce que Dieu avait donné une parole. Prenez tous les exemples de David lorsqu'il a amené son armée, quand il l'a fait sur la parole de Dieu, la victoire, quand il l'a fait de son propre chef, échec. La foi rattachée à une conviction de Dieu, c'est cette foi surnaturelle accordée par l'Esprit, et je dirais en des périodes particulières, qui va nous amener à vivre des choses extraordinaires. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en pleine crise sanitaire. Nous avons mille et une occasions pour manifester la foi auprès de nos concitoyens, auprès de nos familles qui sont en souffrance. Une foi qui se manifeste dans le surnaturel, sur des personnes, sur des choses. Je me souviens de cette sœur en région lyonnaise. Ma grand-mère me raconte cette histoire. Ma grand-mère était quelqu'un de tellement simple, mais en même temps... sa simplicité, elle n'avait pas compris toutes les études bibliques, hein, ça je peux vous le dire. Hein. Elle était très loin de comprendre tout ça. Elle avait compris qu'une chose. C'est que quand elle avait un problème, quel que soit le problème, elle pouvait demander au Seigneur Jésus. Parce qu'elle avait cette conviction que le Seigneur Jésus lui avait fait la promesse de l'accompagner chaque jour. Et là où elle était, dans l'église dans laquelle elle était, là où elle s'est convertie, etc., elle a vécu des choses extraordinaires. Et un jour, elle me raconte cette histoire. Pendant la guerre, donc pas de téléphone portable, des moyens de locomotion très limités, et une sœur qui est là, qui travaille dans une église, on lui demande d'aller visiter quelqu'un qui est mourant. Et c'est vraiment l'extrémité, on arrive vraiment au terme là, de la vie de cette femme-là, de cette personne qui était mourante. Alors, elle fait des kilomètres à pied, en vélo, pour essayer d'atteindre le lieu de résidence de cette personne-là. Et quand elle arrive, elle sonne, vous savez, c'est ces grosses portes cochères qu'on a parfois dans des grosses villes, vous savez, avec des trucs en fer pour taper dessus et tout cela. Et là, tout est fermé à clé. Elle tape, elle sonne, elle fait sonner la cloche, tout ce que vous voulez. Il n'y a rien qui ouvre. Elle était sur le point de repartir.
et elle a une conviction, elle entend comme une voix qui résonne au plus profond d'elle-même, qui lui dit « parle à la porte pour qu'elle s'ouvre ». Quand tu entends ça, tu dis « toi, tu es en train de faire un truc là, hein ? T'es pas loin de l'AVC, mon gars ». Là, il faut que tu ailles te reposer un peu, parce que parler à la porte, jamais ça nous viendrait à l'idée. Elle reçoit ça tellement fort. Elle connaît l'urgence de la situation de cette femme qui est à deux doigts de mourir. Parce qu'elle a cette conviction dans son cœur. Elle parle à cette porte. Elle lui dit tout simple. Elle ne fait pas des incantations. Hein. Elle ne fait pas des choses bizarres. Pas besoin de ça. Elle parle à la porte. Elle dit, porte, ouvre-toi. Pas sésame. Sésame, ça ne marche pas. Mais au nom de Jésus, porte, ouvre-toi. Faites pas ça chez vous quand vous rentrez tout à l'heure. D'accord ? Mais la parole de foi qu'elle reçoit, elle dit cela, à cet instant, la porte s'ouvre. Elle a l'occasion de prier pour cette femme. Cette femme est guérie et va avoir, à cause de cette occasion-là, la possibilité de vivre plusieurs années. Combien sont les pasteurs, les chrétiens, les croyants qui ont vécu parfois cette expérience? Je me souviens de ce pasteur qui, avec sa famille et son collègue, se retrouve un jour en panne d'essence en pleine campagne. Pas de moyen de communication comme aujourd'hui. Et qui, dans le désarroi, reçoit cette conviction de parler au moteur de sa voiture. Là aussi, tu dis... Mais il sait qu'il n'y a plus d'essence, il remonte, il met la clé, au nom de Jésus, démarre. Et le frère te raconte que pendant 100 km, il a continué à rouler comme ça toute la nuit jusqu'à trouver une pompe d'essence. Mais plusieurs ont vécu ces expériences-là. Maintenant, ne faites pas ça pour ne pas payer d'essence. Est-ce que vous comprenez l'équilibre qu'il nous faut avoir ? Parce que nous nous trouvons parfois dans des situations exceptionnelles, alors notre Dieu exceptionnel agit. Parfois, lorsque les choses sont tellement évidentes parce que nous pouvons simplement prendre un doliprane pour aller mieux, prends un doliprane. Est-ce que vous comprenez la différence ? Par contre, parfois, le Seigneur va nous placer dans des circonstances exceptionnelles pour nous ou pour les autres et il va tout simplement nous utiliser. Ne définissons pas d'ordre de grandeur dans ce que Dieu fait avec nous. Mais c'est le même don qui agit. C'est seulement les circonstances qui changent. Alléluia. C'est aussi la foi qu'il faut. Lorsqu'il est écrit, regardez avec moi dans Hébreux, chapitre 11, le verset 36. Et nous l'oublions parfois. Mais c'est aussi cette foi-là dont nous avons besoin. Regardez, il est dit, d'autres, on a parlé de ceux qui ont vaincu les lions et tout ça, d'accord ? Et puis, vous connaissez cet épître, il est dit d'autres, vont subir des moqueries. Vous subissez des moqueries des fois ? Le fouet, au moins souvent en ce moment quand même, faut avouer, heureusement. En tout cas ici. Mais je peux vous parler de collègues qui sont dans certains pays où c'est plus que le fouet qu'ils subissent aujourd'hui. Et vous voyez, ils ont eux aussi besoin de cette foi-là pour tenir ferme. Je vous l'ai dit, j'ai voyagé dans beaucoup de pays et parfois je suis allé dans des pays où il y avait de la persécution et je me suis dit, je vais les encourager, je vais les fortifier, je vais les faire du bien. Vous savez ce qui s'est passé ? C'est eux qui m'ont fait du bien. Ils sont maltraités, ils sont battus, ils sont chassés de leur travail, parfois ils sont chassés de leur famille. Vous venez avec votre compréhension, votre intelligence et vous dites, on va prier pour toi. Et en fait, quand vous les entendez parler, ils sont juste heureux et joyeux d'être persécutés à cause du nom de Jésus. Vous dites, waouh, est-ce que j'en suis là, moi ? Est-ce que j'en suis là ? Nous, il y a un truc qui ne va pas bien à l'église, on est déjà mécontent. Je disais la semaine dernière, on se met à bouder. On râle, on critique, on... Mais quand il y aura vraiment la persécution en France, qu'est-ce qui va se passer ? On va s'en prendre à Dieu ? Mais t'es où ? Tu fais quoi ? Mais pourtant, je suis ton enfant. Tu t'es pas rappelé la semaine dernière ? J'ai même donné mon offrande. Et là, maintenant, je suis persécuté. On subit des moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Certains furent lapidés. Pas sympa, ça. Hein ? Scié, c'est encore moins sympa. Torturé,
Ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis. Je crois que c'était des chrétiens. Ils devaient être normalement resplendissants, bien habillés, toujours des peaux de brebis, des peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans des déserts, dans les montagnes, dans les cavernes, dans les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qu'il... Pardon ? Ce qu'il leur était promis. Ah ! Donc ils ont reçu une promesse, mais ils ne l'ont pas reçue. Est-ce que c'est notre cas parfois ? Oh ! Est-ce que c'est notre cas parfois ? Discernement ? Et la foi, ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, mais alors heureusement qu'il y a le verset d'après. Parce que Dieu avait pour eux en vue quelque chose de meilleur, alléluia, parce qu'à cause de leur dévotion, à cause de leur persévérance, à cause de ce lien qui les attachait à leur Père céleste, qu'ils ne parviennent pas à la perfection sans nous. Mon frère, ma sœur, ne juge pas ceux qui passent par des épreuves, ceux qui passent par des moments difficiles. Parce que pour les supporter, bien souvent, ils exercent le don de la foi. Peut-être que sans le savoir, toi-même, tu exerces le don de la foi et bien d'autres dons sans le savoir. Alors, j'aimerais vous dire ce matin, exercez la foi. Hello ? Exerçons la foi. Disons, Seigneur, eh bien, écoute, si tu dois nous placer dans une circonstance particulière, donne-moi cette acuité, donne-moi le fait d'entendre ta parole, donne-moi de discerner ton esprit. S'il y a vraiment quelque chose qui vient de toi, amène-moi à exercer la foi. L'important n'est pas de savoir que nous avons ce don. L'important, c'est de le pratiquer. Cherchons pas si on a, on n'a pas, etc. On s'en moque de savoir ce qu'on a. Dieu veut nous utiliser. Et si demain ou cet après-midi, tu te retrouves dans une circonstance où le Seigneur a besoin de manifester au travers de ta vie la foi pour bénir quelqu'un, laisse la foi se manifester. Comme je le disais la semaine dernière, là encore, c'est notre attitude qui va définir notre altitude. Si nous laissons Dieu nous placer dans une situation exceptionnelle et que nous réagissons avec foi, alors nous allons voir la gloire du Seigneur se manifester. Mais si nous sommes dans une situation exceptionnelle, comme parfois ça pourrait nous arriver, mais que notre première réaction soit la colère, la critique, l'incompréhension, je ne dis pas ça pour vous, vous n'êtes pas concernés. Je dis ça pour ceux qui sont aux vidéos. Là. Mais voyez, on est dans une situation particulière, vraiment spéciale. Et au lieu de manifester la confiance en Dieu, on est dans l'incompréhension, on ne se réfère pas au Seigneur de savoir pourquoi on est là. On commence à voir la critique, la colère, etc. J'aimerais vous dire qu'il y a très peu de chances à ce que nous puissions ensuite laisser le Saint-Esprit se manifester dans notre vie. Par conséquent, dans ce cadre-là, le don de foi ne se manifestera pas. Alors, soyons des hommes et des femmes avec ce discernement de ce que Dieu veut faire avec nous. Ne copions pas les choses, ne les répliquons pas, ce n'est pas nécessaire. Laissez Dieu créer ce qu'il veut faire. Vous, nous, moi, toi, faites confiance au Seigneur, tout simplement. Écoutez-le. Recevez sa parole dans votre cœur. Continuez à méditer cette parole. Allez plus loin avec Dieu. Laissez le Seigneur vous façonner dans son travail. Soyons des hommes et des femmes sages, intelligents, spirituels, équilibrés. Et laissons Dieu tout simplement œuvrer. Et quand on ne cherche pas notre propre gloire, lorsqu'on ne cherche pas des manifestations bizarres, lorsqu'on ne cherche pas du spectacle, alors la gloire de Dieu se manifeste.
L'œuvre de Dieu se fait de manière naturelle, comme j'aime à le dire. La manifestation surnaturelle de Dieu se manifeste dans le surnaturel, dans le naturel, pardon, de notre vie. Et ça, vous pouvez le voir parmi les enfants, parmi les ados, parmi les jeunes, parmi les parents, parmi les adultes, parmi les personnes âgées, parmi vos voisins, parmi vos familles, parmi vos collègues de travail. Parce que tout sera une circonstance que Dieu, s'il le veut, pourra utiliser pour que sa gloire se manifeste. Si nous faisons cela, nous allons vivre alors des choses exceptionnelles. Amen. Prenons un temps dans la prière, frères et sœurs. Terminons ces moments. Seigneur, je réclame ta grâce. Afin que, au travers de cette parole encore ce matin, tu puisses nous amener à aller plus loin. Seigneur, certainement que plusieurs d'entre nous, nous avons exercé la foi. Dans des circonstances ou dans des situations, parfois que nous n'avons même pas repérées, pas imaginées. Mais la réalité, c'est que toi, il t'a plu de nous utiliser. Seigneur, la pensée de cette prédication, de ces paroles, c'est de pouvoir aller plus loin encore et de te laisser œuvrer davantage encore dans nos vies. Oh Seigneur, fais en sorte que notre oreille s'habitue toujours davantage à la voix de ton esprit, afin que nous puissions discerner les circonstances exceptionnelles dans lesquelles tu vas nous placer pour que non simplement la foi, mais également le miracle, la guérison, le discernement des esprits, les paroles de connaissance, les paroles prophétiques, toutes ces choses se mettent en action dans notre vie et que nous devenions tout simplement la lumière de ce monde. Que nous puissions éclairer cette situation de ce ténèbre qui règne aujourd'hui, alors que des hommes et des femmes sont envahis par la crainte, par la peur du lendemain, ne sachant pas où ils vont finir leur situation, leur vie, leur espoir. Seigneur, que nous puissions apporter la lumière, que nous puissions éclairer les consciences, que nous puissions, par le surnaturel, par ta part, toucher ces hommes et ces femmes, afin qu'au final, tout simplement, ils se tournent vers toi et s'engagent pour l'éternité avec toi. Seigneur, merci de bénir ton Église, de bénir tous ceux et celles qui nous écoutent. Aide-nous à aller plus loin dans cette démarche, afin que nous puissions être simplement des témoins là où nous sommes. À toi soit toute la gloire, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite un excellent dimanche à tous et à toutes. Très bonne semaine également. Je vous rappelle que si vous souhaitez un rendez-vous, un entretien, nous sommes à votre disposition. Vous pouvez le demander. Que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur vous fortifie. Et à très bientôt.